36 heures après le tragique accident de l'autoroute 30, voilà qu'un automobiliste a risqué sa vie et celle des autres en effectuant une manœuvre plus que dangereuse sur l'autoroute 55. Un dépassement mal calculé qui aurait vraiment pu mal tourner si les deux conducteurs de poids lourds n'avaient pas réagi aussi vite. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ça a été vraiment rapide. Ça se passe à un instant de seconde que des fois, tu as de la misère à le réaliser. Fait que j'ai vu l'autre camionneur se tasser. J'ai essayé de me tasser, d'éviter la chose parce que si on restait dans nos voies, d'après moi, le véhicule... Il restait pas en avant de nous, là. Il passait soit en dessous d'un des deux camions. C'est grâce à la caméra de bord installée dans le camion que ce comportement est dénoncé aujourd'hui. Malheureusement, c'est loin d'être le seul événement du genre à survenir sur nos routes. Comme le 14 décembre dernier, à la hauteur de Saint-Wenceslas, cet accident aurait pu être mortel. Ça se passe tellement vite que tu réalises que c'est fini, là. La seule affaire que tu te demandes, s'il n'y a pas de mort. Le conducteur de la voiture grise est apparu à la dernière seconde derrière le camion-citerne pour venir percuter le côté du poids lourd. Un choc qui lui a fait perdre le contrôle du véhicule et qui lui a fait terminer sa course dans le fossé. J'ai pas eu le temps de rien faire, il était trop tard, là. Je l'avais accroché. Le deuxième a passé, mais le troisième, c'est la petite vanne blanche. C'est là, je me suis remonté le décor. Plus les années avancent, selon les chauffeurs, plus les automobilistes sont impatients. Des autos qui dépassent sur les accotements, des camions qui roulent à peine à la planche. L'Association du camionnage du Québec affirme que de plus en plus de transporteurs équipent leurs chauffeurs avec ce genre de caméra. C'est une question de sécurité. Pour évidemment distinguer lors d'un événement les manœuvres et la responsabilité d'un usager de la route ou notre chauffeur. D'après moi, je pourrais faire un film. Un film où, on l'espère, les personnages impliqués garderaient toute leur attention sur la route.